Vous êtes qui ? Bonjour, monsieur Laplace. Nous avons quelques questions à vous poser, monsieur Laplace. Ah, mais juste, vous êtes qui ? Que faites-vous ? Vous avez du sucre ? Du sucre. Pour le café ? Oui. Oui. Ça ira ? Parfait. Vous me dites. Merci, merci. Monsieur Laplace, asseyez-vous. Que faisiez-vous hier soir ? J'étais aux rues vers 18h45. Et après, je sais plus. Hier soir, à 20h15, GMT plus 1, vous avez été aperçu dans le bâtiment Eiffel, le central Supélec. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Parce que je suis étudiant là-bas. Je crois. Il y a un problème ? Qu'est-ce qui se passe dehors ? Ça vous dit quelque chose, ça ? Oui, c'est un verre BP. Et ? Rien de normal ? Non, c'est un verre ABP, de BP, quoi. Monsieur Laplace, ceci est un verre de BP, rempli de bière. Oui. Nous allons vous montrer une série d'images. Vous allez nous dire ce que ça vous évoque. La première chose qui vous passe par la tête. Une couronne. Non, un papillon. Un papillon. Oula. Non, je sais pas, désolé. C'est vous sur cette photo ? Non, c'est Thomas, ça. Non, c'est Thomas du cours d'éco-quartier. Non, pas moi. Ah oui, les cours du confinement. Monsieur Laplace, nous avons désormais tous les éléments pour affirmer avec certitude que vous, êtes un P22. Oui, c'est exact. Mais j'aurais pu vous le dire. Monsieur Laplace, nous sommes ici pour vous protéger. Vous courez un grave danger. Ces gens dehors, c'est vous qu'ils cherchent. Vous êtes un P22. Si on ne fait rien, vos jours sont comptés. Le 4 avril 2023 à 20h, une grande catastrophe est survenue au direct télévisé, orchestrée par un groupe de P22. C'est la guerre dehors. Partout, des P22 sont traqués et disparaissent les uns après les autres. C'est pour ça qu'on est là. Nous cherchons les derniers P22 afin de les mettre en sécurité. Car le monde a besoin de vos talents polis plurimultidisciplinaires afin de ne pas sombrer dans le chaos. Regardez, ce sera plus simple. Des émeutes parcourent le monde entier suite aux récents événements qui ont eu lieu hier soir à Central Supélec. La promotion P22 serait la cible constante d'enlèvements violents. On parle d'une promotion qui a passé 3 voire 4 ans à Central Supélec, qui est aujourd'hui connue comme étant un temple du wokisme. C'était des individus extrêmement dangereux. Vous étiez pas là, vous. Moi, je les avais déjà dans le radar. J'ai essayé d'agir, j'ai essayé de proposer des solutions. On avait dû les gazer. On sait que la promo 2022 a été abandonnée par ses aînés. On voit aujourd'hui le résultat. Ils mettent énormément de colère, de haine, de violence dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils entreprennent. Ils ne connaissent plus aucune limite. Qui aurait pu prédire ce DMT ? Et c'est central. All we need to remember is death. 2, P22. Vous êtes pas prêts pour ce qui arrive, bande de manches à queue.